Bim, salut, c'est Fred. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte du personnage de Rose Druides dans Plantes versus Zombies Garden Warfare 2. J'espère que ça vous plaira. On est en match. Je ne sais. Attendez que je réfléchisse. En élimination confirmée, voilà. J'avais un doute. Donc, alors, notre petite druidesse, qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport aux autres? Eh ben, on va essayer de le découvrir, hein. Sachant que dans la découverte, je vous avais fait la petite druidesse normale. Là, on a la petite druidesse, la petite rose normale, que la rose druidesse. Ça commence déjà très bien avec elle. Comme vous pouvez le constater. C'est très 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 chaud. J'espère quand même que cette vidéo de présentation de personnages vous plaît. Même si je joue comme une quiche, hein, je sais. Je suis pas un expert. Des experts, vous en avez plein. Moi, j'en suis pas un. Je suis plutôt quelqu'un de normal. Elle est très 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 dure à manœuvrer. Pourtant, quand on l'a contre nous, qu'elle nous lance un coup, on meurt direct. Petite rose druidesse. Oh, ça lague. Petite lagouée. Et normalement, en fait, quand on tire, on a le... Ah là là, je m'en doutais. Je m'en doutais qu'il y avait un truc qui allait pas là. Parce que je me fais tirer dessus, mais je n'ai pas le retour. Donc... Hop, réapparition normale. Voilà. Apparemment, elle fait du dégât quand même, hein. Je me suis quand même fait tuer, mais pas par le petit diablotin, hein. Je me suis fait tuer par notre petit malin. Ah, mais où ils me font apparaître? Ils sont sérieux, quoi. Ils me font apparaître en plein milieu du champ de bataille. Comment ils veulent... Ouais, c'est chaud d'apparaître comme ça en plein milieu du champ de bataille. Je suis mort, hein. Ouais, je m'en doutais. Ah, je sais pas ce qu'elle a la partie, mais... c'est Bectot, elle, pourtant, je suis en minimum, hein, niveau pixel et tout, donc... Après, c'est peut-être le réseau, je sais pas. Hein. Peut-être que le réseau est en train de me dire, oh, ça suffit, là. Hein. Donc, elle a pas de sourd prolongé, par contre. Essayer de voir un peu tous ses coups. Ouais. Donc elle fait comme Rose normale. Elle transforme ses ennemis en chèvres. Je vais essayer de vous le faire au moins une fois avant que la partie se termine. C'est quoi ça? Ah, ça c'est un footballeur qui a laissé ça en plan. Parce que la partie va bientôt se terminer du coup. Bon, il est mort derrière, mais bon. Alors, est-ce que je vais avoir le temps de réapparaître? Ça va être ça le truc. J'aimerais bien transformer quelqu'un en chèvre. Je l'ai pas encore fait. Non, bah j'aurais pas la possibilité de vous le présenter, le petit chèvre, mais bon. Je pense quand même que cette petite vidéo de présentation de Mademoiselle Rose Druides vous aura plu. Voilà.
On a quand même vu qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre Rose normale et Rose Druides. Apparemment, il y a un peu plus de puissance pour Rose Druides, si j'ai bien compris. Mais bon, ça, on a beaucoup de mal à le découvrir en élimination confirmée parce qu'il faut aller extrêmement vite pour pouvoir battre les ennemis, entre guillemets. Alors, je suis dernier de mon équipe, j'ai fait aucun kill, hein, je m'en doutais. J'ai fait deux assistances. Donc, j'espère que cette petite présentation de personnage Rose Druides vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouve rapidement pour d'autres présentations de personnages. Salut!